Bonjour, je me présente, je suis Jacob Boulanger de Caplan. J'y suis depuis bientôt 30 ans en Gaspésie. Et puis, je suis potier ici depuis tout ce temps-là et même avant ça. Et puis, je vais vous présenter ce que je fais, la particularité de mon travail. Je prends les argiles naturelles de la Gaspésie que je vais chercher moi-même, bien sûr. Et puis que je mélange à de l'eau pour les rendre liquides, les filtrer et les appliquer sur ma pièce. En fait, l'idée, c'est que c'est comme si mon travail, ça se passait avec deux argiles. Une qui fait le corps de la pièce, puis qui est destinée à être cuite à une température quand même assez haute, parce qu'on parle de grès. Et puis, celles que je trouve dans la nature, ce sont des faïences. La différence entre les deux, c'est le degré de cuisson, puis la faïence, c'est à plus basse température. Ma technique, on peut dire qu'elle a évolué, mais je dois dire humblement que moi, je suis zéro en technologie. Donc, je savais au moins fabriquer l'argile, mais c'était la seule technologie que je connaissais, là, les glaçures et tout ça. Là, moi, je ne savais pas ça. Alors, je suis allé par essai-erreur, essayer des choses, puis à chaque cuisson, j'ai tout le temps des petits tests. Puis, ça m'ouvre à quelque chose. Mais c'est plus la forme qui m'intéresse, le tournage ou la fabrication d'un moule, parce qu'il y a quelques pièces qui sont moulées, mais surtout le tournage, qui m'intéresse plus que la technologie des glaçures. Alors, ça demeure quand même simple, ce que je fais. Ma source d'inspiration, ce sont, pour le choix des pièces que je fais, c'est les pièces utilitaires, finalement. Les personnes qui achètent mes pièces, ils vont s'en servir au quotidien. Tu sais, tu vas boire ton café dedans. Ce que les gens doivent peut-être s'attendre à trouver ici, c'est un produit vraiment gaspésien, avec les petites argiles de la Gaspésie, faites par un potier qui est passionné par son travail, puis qui va prendre le temps de les accueillir, puis de leur expliquer c'est quoi son travail, comment il parvient à faire ça. Bien, mon avenir face à ma vie de potier, c'est que j'ai déjà commencé, il faut être sage pour le voir. J'ai commencé à gérer ma décroissance d'énergie. C'est physique ce que je fais.